Ce qui va venir, c'est le principe. Vous êtes là à dire putain canon, 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 canon. En gros, il y a quelque chose qui doit vous dire dans cette situation-là, danger, danger. Cerveau reptilien, il va vous le dire. Et il doit vous dire, la seule chose qu'il doit vous dire, c'est canon, 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 canon. Donc au lieu de faire, je sais plus comment t'étais. Non, t'étais comme ça. Non, ouais, comme ça, comme ça. Là, gros danger, il va frapper, donc protection. D'accord. Voilà. Au lieu de faire ça, il va me taper aussi, hein. Le prix, voilà. Parce que là, regarde, je le tiens. Tire vers toi le canon. Tiens. Voilà. Pan. Pan, comme tu dis. Là, donc, je le tiens comme je peux. Canon. 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 Et je tape. Peut-être. Plutôt que un mec qui a toujours un flingue, qui n'est peut-être pas enrayé. Qui peut faire ça aussi, ouais. Trop risqué. Donc, c'est. Oh putain, danger. Sortez la tronche d'ici et à vous de placer la main. Maintenant, vous allez voir tout à l'heure que quand ça va bouger, tu oublies vite que tu ne dois pas passer la main devant. On ne peut pas tout penser. Hein. On part de là. Je vous ai dit, vous le tenez, vous le tenez. Ça part en couille. Ok, là, ça part grave en couille. Là, il va me tuer. Qu'est-ce qui va vous rester, vous croyez, sous stress? Peut-être le petit flash qui va venir. C'est pas la technique. C'est ça. Non. C'est des bruits bizarres. Ce qui va venir, c'est le principe. Vous êtes là à dire, putain, canon, 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 canon. Peut-être. C'est ça qu'il faut qu'il reste. Et non pas les poignets. Non. Survie. Une image, une seconde dans votre tête, un neurone. C'est canon. Parce que s'il tire, j'ai peut-être le temps de lâcher après parce que l'arme sera peut-être enrayée. Sur le moment, tu t'en rappelleras pas. Hein. Donc on passe de attrape, 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 attrape. Ça foire. Canon, 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 canon. Et une fois que c'est fait, défense, défense, défense. D'accord. Vous avez compris? Voilà, self-défense, ça. Ça veut dire que là, c'est quoi? Pas forcément des trucs... Vous croyez vraiment que ça fait très mal? Je vous parle de très mal, de mettre KO un homme qui se laisse pas faire. Peut-être alcoolisé, peut-être drogué. Non, 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 non. Bousillez-lui la tête à coups d'avant-bras, là. Ah, c'est violent! Ah ouais, mais fais-toi buter, écoute. C'est ça, je veux faire comprendre. On peut pas tout faire. Mais il y a un discours qui va avec. Ça, putain, ton bouche, dit, mange le canon, mange. Ça. Et rappelez-vous que ça, c'est un... ça pique, hein. Celui en plastique, c'est ça, c'est si on peut. Et bien sûr, il va dire bouge, 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 il va taper. Mais c'est la loi du moins pire. Tu veux pas prendre de coups, tu te rapproches de lui, tu lui mords le téton, ça va le calmer. Peut-être. Et là, il y en a toujours qui vont dire ah oui, monsieur, mais les maladies. Non, mais j'ai l'habitude. Hein. Mais écoute, mets un pas, tu as des merdes, toi. C'est mieux la maladie que la caisse en bois. Voilà, exactement. Vaut mieux la maladie que la caisse en bois. Magnifique dicton, on le sortira dans le club. Non, mais c'est ça, t'as tout compris. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.